le mercredi 11. Ginny, Evan, Sandra et Isaac, quatre adolescents, discutent du boucher de Blissfield, un célèbre meurtrier en série qui tuerait des gens depuis les années 1970, mais qui n'a jamais été appréhendé. Ginny et Evan s'embrassent, tandis qu'Isaac et Sandra vont chercher une bouteille de vin à l'intérieur. Un mystérieux couteau nommé, la Dola, se trouve dans la maison de Ginny. Isaac est bientôt livré à lui-même, et lorsque le boucher le trouve, il brise une bouteille de vin, jusqu'à ce que le verre transperce la gorge d'Isaac. Puis il attrape Sandra et lui assène un coup de siège de toilette à la tête. Le boucher localise alors les deux autres et utilise une raquette de tennis cassée pour empaler le crâne d'Evan avant d'empaler Ginny dans le salon de ses parents à l'aide d'une barre. Lorsque ses parents rentrent chez eux, terrifiés, ils trouvent son corps, et la dague mystérieuse est introuvable. Si vous deviez changer de corps avec une personne de l'autre sexe, que feriez-vous en premier? Jeudi le 12. Millie Kessler, alors adolescente, se prépare pour l'école. Elle vit avec sa mère Chorale, et sa sœur aînée, l'officier de police Charlène. Toutes les trois ne sont plus en bon terme depuis le décès du père de Millie et Charlène, il y a un an. Dans un dialogue, Charlène demande, « Alors, Millie, quand est-ce que tu rentres chez toi demain après le bal de fin d'année ?» Millie répond, « Eh bien, je n'y vais pas, je refuse d'y aller. » Chorale renchérit en disant qu'elle et Millie ont un rendez-vous demain, pour aller au théâtre pour voir un film, et Charlène se sent lésée. Plus tard, Millie va au lycée, et croise Josh et Nila, ses plus proches amis. Pendant que Millie complimente le chien de Monsieur Daniels, Josh lui fait une blague en disant qu'il aime sa saucisse noire, et Monsieur Daniels s'offusque du compliment déplacé. Josh dit à ses amis qu'il faisait plutôt allusion à son chien de couleur noire. Les deux autres attendent avec impatience le bal de fin d'année, mais Millie dit qu'elle veut d'abord passer du temps avec sa mère. Par ailleurs, elle a aussi du mal à se valoriser. Ses amis la rassurent en lui disant qu'elle est une fille rare. Après, Millie est confrontée à la fille populaire, Riley, et à son professeur de menuiserie, Monsieur Bernardi, qui irrite tout de Millie. Bernardi lui fait faire un exposé qu'il lui a donné en avance sans le lui dire, et comme elle n'est pas préparée, il veut juste l'humilier devant la classe, et son crush, Booker. Cependant, la nouvelle de l'assassinat des quatre jeunes est ensuite communiquée à l'ensemble de la classe par téléphone. Plus tard dans la soirée, Millie se fait jeter du soda lorsqu'elle est dans sa prestation de la mascotte de l'équipe de football de l'école, les Beavers. Chorale s'est évanouie sur le canapé, en état d'ébriété, lorsque sa fille l'appelle pour venir la chercher après le match. Charlène se propose d'aller chercher Millie en l'appelant. Soudainement tout autour d'elle, les lumières s'éteignent. Le boucher la retrouve et la suit sur le terrain de football, où il enlève la Dola et la tient en l'air. Le boucher poignarde Millie à l'épaule, lorsque le sol sous leurs pieds prend momentanément une forme ancestrale. Arrivée sur place, Charlène tire en l'air, faisant fuir le boucher. À cet instant, même si Millie ne semble pas être elle-même, Charlène ramène sa sœur à la maison. Vendredi 13 mars, lorsque le boucher se réveille dans le corps de Millie, il se déplace de façon menaçante et étrange, puis il accomplit ce à quoi tout le monde pense immédiatement. Pendant ce temps, Millie se réveille dans le corps du boucher près du vieux moulin. Millie hurle, elle panique et tente de courir pour trouver de l'aide. Malheureusement, à cause d'un reportage récent, tout le monde est au courant de l'apparence du boucher, donc tous ceux que Millie rencontrera paniqueront, et crieront en la voyant. Après lui avoir donné une apparence plus attrayante qui attire l'attention de tout le monde, Boucher inscrit Millie à l'école. Dans une tentative embarrassante de l'isoler pour pouvoir la tuer, il s'éloigne avec elle vers les vestiaires lorsque Riley s'approche. Millie arrive ensuite à l'école, où elle se montre, et prend une douche. Lorsque Boucher et Riley se rendent compte de sa présence, Boucher entraîne Riley dans sa cachette. Son corps meurt de froid alors qu'il l'enferme dans un congélateur. Millie retrouve ensuite Josh et Nila, qui s'enfuient. Josh s'exclame qu'ils sont dans de sales draps. Lorsqu'il cesse de lui lancer des objets, elle les coince dans la cuisine et exécute le numéro de danse de l'équipe d'encouragement des Beavers, pour démontrer son identité en tant que la vraie Millie. Lorsque Nila et Josh lui posent des questions auxquelles seule Millie peut répondre, ils comprennent qu'elle est leur amie. Josh et Nila se rendent chez leur professeur d'espagnol, lorsque Millie mentionne la dague. Le professeur, qui est capable de comprendre le message sur la dague, les informe que l'échange devient permanent après 24 heures,
ce qui signifie qu'ils ont environ 9 heures pour retrouver le corps de Millie. Après que Monsieur Bernardi s'est à nouveau comporté comme un abruti, le boucher l'attrape. Il met ses lunettes et son équipement de sécurité avant de démarrer la scie à bosse. Bernardi se bat contre le boucher, jusqu'à ce qu'il le poignarde dans le cou avec un tournevis, après quoi il force son corps à entrer dans la scie pour le couper en deux. Après avoir appris que le boucher avait été aperçu, la police est arrivée à l'école, ce qui a entraîné l'annulation du bal de fin d'année. Le boucher sort de l'atelier au moment précis où Millie, Josh et Nila le remarquent. Boucher fait cependant savoir aux policiers qu'ils sont là, et leur ordonne de poursuivre Millie et ses compagnons. Ils montent dans la voiture de Josh et partent, mais Charlène, qui est en service, les suit. En gagnant du temps, ils parviennent à se faire repérer en s'enfonçant dans le centre commercial. Josh et Nila offrent à Millie un masque en caoutchouc pour l'aider à se fondre dans la masse. À la salle d'arcade, Boucher est avec quelques sportifs qui sont contrariés, parce que le bal a été reporté. Il conseille de visiter l'ancien moulin sous les traits de Millie. Lorsque Brett, l'un des sportifs, touche les fesses de Boucher, il lui dit « Ton contact rend cette plus sèche que du papier de verre, espèce de p*** de singe. J'ai hâte de te tuer. » Après avoir jeté un regard séducteur à Booker, le boucher tente de l'entraîner dans l'arrière-boutique pour qu'il soit exécuté, mais Millie et ses amis l'en empêchent et les assomment tous les deux. Booker et le boucher sont amenés par les copains à la résidence de Josh. Après quelques incertitudes, Millie lit une lettre d'amour qu'elle avait mise dans le casier de Booker quelques semaines auparavant pour tenter de le convaincre. Pendant que Millie, Nila et Booker se rendent au commissariat pour récupérer la dague dans le casier des pièces à conviction, ils attachent Boucher et le font surveiller par Josh. Au commissariat, Nila informe une Charlène à l'air douteux que le boucher les a kidnappés, Josh et elle, et qu'il l'a suivi jusqu'ici. Nila se met alors à la recherche de la dague tandis que Charlène vérifie les limites extérieures. Lorsque la mère de Josh rentre à la maison, elle trouve Millie attachée. Alors qu'elle tente de défaire les liens, Boucher se libère et tente de poursuivre Josh et sa mère avant de sprinter jusqu'au commissariat. Alors que Charlène est rentrée pour suspecter Nila, Millie et Booker entrent au commissariat et Boucher prend la voiture de Charlène. Comme ils savent que Boucher essaierait de tuer autant de personnes que possible dans le vieux moulin où se tient le bal, Millie parvient à maîtriser Charlène et à la mettre en cellule pendant qu'il s'enfuit. La danse est en cours dans le vieux moulin, et Brett veut emmener Boucher dans un endroit privé avec lui. Lorsque Brett rejoint ses amis, Boucher tranche la gorge d'un autre homme et brise une bouteille sur la tête d'un des gars avant de prendre une tronçonneuse et de déchirer. Lorsque les compagnons arrivent, ils découvrent que l'échange deviendra permanent dans environ 13 minutes. Alors qu'ils partent à la recherche du boucher, Booker déclenche une alarme sur la montre de Millie. Josh est approché par un autre athlète avant que le boucher ne lui plante un crochet dans l'œil. Le boucher est confronté à Millie, mais il parvient à s'enfuir alors que la police arrive. Ils parviennent à vaincre le boucher avec l'aide des compagnons de Millie. L'alarme sonne alors que Millie est prête à le poignarder, signalant qu'il est trop tard et que la malédiction ne disparaîtra jamais. Josh remarque cependant que la cloche n'a pas encore sonné, et Millie se souvient que Booker lui a conseillé de reculer son horloge de 5 minutes pour éviter d'être en retard en classe. Après avoir réalisé qu'il est en fait 23h55, Millie poignarde le boucher. Ils échangent leur corps juste avant que les flics ne tirent sur le boucher et le tuent, qui est maintenant dans son propre corps. Pendant que les ambulanciers s'efforcent de le stabiliser, son rythme cardiaque semble chuter, puis s'arrêter complètement. Il est évident qu'il a enlevé son oxymètre de peau au bout du doigt pour simuler sa mort. Millie retourne chez ses parents, Charlène et Coral. Alors que tout devient calme, Millie entend quelque chose. Toujours vivant, le boucher commence à agresser les trois femmes. Lorsque Charlène tente de lui tirer dessus, il lui retire les munitions de son arme. Boucher taquine Millie sur son physique fragile après avoir réduit Coral et Charlène à l'impuissance, mais elle révèle une faille dans le sien en lui donnant un coup de pied dans les couilles. Cela permet aux femmes de prendre le dessus sur lui jusqu'à ce que Millie le tue en l'empalant avec un pied de table cassé. Déclarant « Je suis une putain de pièce rare », Millie se tient au-dessus de son cadavre. Aimez-vous regarder des films d'horreur ou d'épouvante? Souhaitez-vous en voir d'autres? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Portez-vous bien, merci et à la prochaine.